Merci, mais Merci, je salue les panélistes. J'aimerais simplement j'aimerais dire simplement dire. pour. On peut fermer nos micros si vous voulez. J'ai un Bien, retour d'écho. Donc, je disais que, pour être bref, je vais simplement citer Charles de Gaulle qui disait que l'ébranlement de la République émane sans doute des dirigeants qui ne sont pas sanctionnés. Donc, nous sommes face à une dictocratie où on sait très bien que les gouvernants ne sont pas sanctionnés. Donc, cette visite, pour moi, c'est une énième comédie politique. Parce que qu'est-ce que vous voulez que le peuple puisse retenir de cette balade que M. Colin Macossio est venu réaliser en France? Au moment où on sait très bien que lorsqu'il est passé même dans un média français, il n'a pas hésité d'être dans un discours trompeur. Ce monsieur nous dit clairement que l'hôpital de Brazzaville, ça va maintenant, les gens peuvent se soigner dignement. Au moment où le peuple est consciencieux que ce monsieur et sans doute ses ministres, dans leur majorité, ne se soignent pas à Brazzaville. Donc on est face à des gens qui refusent même d'être dans l'acceptation de leurs échecs. Donc dans toute dictature qui se pérennise, il ne faudrait pas que nous puissions être étonnés de ce rendement, je peux simplement dire maléfique, que le peuple subit de ces gouvernants qui ne seront jamais des modèles pour le progrès et l'unité de notre cité. Parce qu'il ne faudrait pas oublier M. Fulbert Youlou, même si ce n'était pas un saint, il avait quand même donné une prophétie qui devient aujourd'hui une réalité. Ce monsieur disait qu'un jour, on va applaudir les fous. Je crois que aujourd'hui, le peuple congolais est dans l'applaudissement des fous. Parce qu'il faut seulement être dans la folie pour refuter la réalité que vous imposez aux Congolais d'une manière maléfique. Non, mais Belingué, excuse-moi, mais ça, c'est la folie. Ça, c'est la folie. Parce que comment pouvez-vous comprendre un premier ministre refuser d'admettre des échecs liés à sa gestion étatique? Mais ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. Donc, moi, je pense que ça ne va rien apporter aux Congolais. On reviendra encore ici en parler. L'inquiétude des citoyens va toujours se pérenniser. Merci. Merci, merci Devan, merci chers amis. Monsieur Non, David, il y a Belingué, quelques on a éléments. fini, nous avons terminé. Oui, Non, il on y a a un un deuxième élément à thème mettre. là, un deuxième Oui, non, non, Belingué, s'il te plaît, oui, voilà, c'est on pour va y l'intérêt de revenir ceux un qui jour. suivent. C'est pour l'intérêt Oui, de ceux qui suivent. oui, Pour ce Belingué. qui est du FESPAM,